dans une cage. Bête idiote. Je vois dans l'étoile lune, comme dans l'Ithildine, ces morceaux de pierre d'un passé à moitié présent ou à moitié oublié. Prochain combat, je ferai couler tellement de sang qu'on aura plus de droits de pouvoir.
avec la bouche de Sauron, second seigneur des ténèbres de cette terre du milieu. Notre volonté est la sienne. Le Mordor est nôtre et légitimement gagné. Apporte ce message de Sauron à Arachné, reine des araignées et dernière descendante d'Ungoliante. Plus jamais tes œufs ne pourront éclore dans le Mordor. Ta progéniture ne chassera plus les mouches de Morgul. Tu vas quitter ce royaume et abandonner tes nids à Nanungol. Tu as bien profité de notre générosité. Nous t'avons nourri comme n'importe quel animal et autorisé à courir librement. Tout cela est terminé. Notre ancienne union prend fin. Tu ne peux résister à notre volonté. Nous avons parlé. Chaque créature d'ici semble vivre pour massacrer les autres. Et elles apprendront toutes à nous craindre par-dessus tout. Monsieur, on a un capitaine parmi nous. Alors, pas de bêtises, hein. Quand le capitaine arrive, on aiguise les épées. Et on veille à avoir des bottes bien brillantes, hein. Alors, dis-moi, capitaine, tu as déjà chassé un Grog? Un Grog à ce que tu m'as promis? Ouais. Et pas n'importe quel Grog. Le plus gros que j'ai jamais rencontré. On doit se préparer. Je devrais m'en sortir. J'ai été bien entraîné. Ma chienne, Silver, était bien entraînée. Avant de se faire dévorer par un warg. La chasse, ce n'est pas une question de règles, capitaine. On va pas se mettre en ligne et laisser quelqu'un jouer avec nos vies. Il faut de l'instinct et des tripes. Mais, comme tu peux le voir, je m'y connais un peu dans ce domaine. Tu veux apprendre à chasser? Viens avec moi. Chasse
chasse est aussi une bête qu'il faut apprendre à dompter. Leçon 1 de la chasse au Karagor. Ne pas mourir. Ils vont nous servir à quoi? Ce seront de bonnes montures pour notre chasse dangereuse. C'est pas ton grade qui impressionnera ces bêtes. Pour elles, on a tous le même goût. Après avoir chassé, capitaine, tu seras un autre homme. Peut-être quelqu'un de meilleur. Mais ça, c'est pas gagné. Quand je chassais les wargs, j'ai vite compris leurs habitudes. Mais les Karagor, ah, ces saletés sont d'une autre trempe. Il m'a presque fallu un an pour les comprendre. Les Karagor, ces saletés détestent l'eau. J'ai voulu faire traverser une rivière à l'un d'eux, mais il s'est sauvé en escaladant une falaise, avec moi sur le dos. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour éviter un bain? La chasse est ma maîtresse. Belle, passionnante, communicative, et beaucoup moins ennuyeuse que ma femme. Qui n'a pas chassé n'a pas vécu, capitaine. La chasse change le parfum de l'air. Ça lui donne une odeur de triomphe. Rodor, par ici! Celui-là a l'air assez agressif. Inutile d'essayer de surprendre un Karagor. Il flaira ton odeur à 1 kilomètre. Que proposes-tu alors? Qu'attends-tu pour te présenter? Vois s'il accepte de t'emmener en balade. Quand un Karagor te charge, tu as 2 solutions. Le renverser ou te jeter à terre. Tu ne monteras pas un Karagor. Si le Karagor t'amoche, c'est que tu y es presque. S'il te tue, c'est que t'as... qu'il m'a fallu pour en dompter un. Tu dois avoir ça dans le sang, capitaine. Tu t'en es pas trop mal sorti. Où est-ce que tu t'es entraîné, capitaine? Je vivais à la Porte Noire. La Porte Noire? C'est sympa. Ça a l'air déprimant. Trouvons des ouroucs. Tu as dompté la bête. Voyons si elle va combattre pour toi. Tu l'as entendu aussi. Chasse à Nurnen depuis longtemps, nain? Depuis des années. La région était plus luxuriante. À présent, une ombre s'étend lentement. Comme sur tout le Mordor. Ouais. Mais l'ombre pimente un peu la chasse. Comme ça. D'accord, tu sais monter un Karagor. Mais tirer en même temps. Ah, Karagor! Du haut! Laisse-moi les orques au sol! Je suis plus proprement. Je préfère la qualité à la forme. Désarçonné. Déjeuner les montagnes vertes. Aucune tache la lune n'était recouverte. Nul mot n'était écrit dans les flots la pierre. N'est pas moi, un demi-point. Déjeuner les montagnes vertes. Du mot était écrit dans les feux de la terre. Quand Durin s'éveilla et marcha solitaire, il
nomma les collines et les vallons inconnus. J'espère que ce feu va pas voler ma barbe. Doux et breton. Je crois avoir entendu quelque chose. Tuez le carador. Ça éclaire. Un autre camp pour une dernière épreuve. Combat-les comme tu veux. Alors, tu es à court de leçons ? C'est fini les railleries ? Tu vas devoir réfléchir vite et bien. Face au Grog, tu ne pourras pas toujours compter sur mon aide. La chasse repose sur la discipline, la capacité à repérer le bon moment, sans attendre qu'on vous l'indique. Un jour, j'ai suivi une aigle géante jusqu'à son nid. J'ai décidé de lui laisser la vie sauve, avant même de le projeter sur les rochers. Dès que j'en repousse un autre, me tombe dessus. Silencieux. Il doit y avoir un problème. Rejoins-le, Talion. On devrait peut-être suivre le chasseur. Tu feras un très bon repas, nain. Thorvin a besoin d'aide. Vous avez entendu ça ? Tu es ce sale nabon poilu ! Durant la chasse palpitante, je t'arrête tout de suite. Je l'avais. En quoi monter sur des caragors m'aidera à tuer des grogues ? Toutes ces questions, capitaine. Je croyais que tu devais suivre les ordres. Tu mets ma patience à l'épreuve. Sois attentif et apprends à respecter la bête. Il faudra être grand et fort comme le puissant grogue. Souviens-toi, la chasse, le respect se mérite. Peut-être qu'il t'appellera monsieur. Ce nain est loin de chez lui. Ceux qui errent ne sont pas tous perdus. On dirait que ces fichus mouches me suivent.
Je ne peux aller presque nulle part sans les entendre bourdonner. Je voulais explorer Torbond, la ville des esclaves. Les orcs qui ont une prison et assez de gens enchaînés pour faire fonctionner les mines, les moulins, et même s'occuper de la ville. Mais il y avait une fichue mouche! Une fichue mouche! Je l'entendais bourdonner, et impossible de la voir et de l'écraser! Cette saleté me suivait, j'en suis sûr! Je suis parti en bateau au milieu de la mer de Nourne, et même là, la mouche ne m'a pas lâché! On dirait qu'elle sait! Elle me suit! Je l'entends tout le temps! Impossible de faire cesser ce maudit bruit! Peu importe que je dorme, que je mange ou que je ne fasse rien, je les entends! Elles sont dans ma foutue tête! Ça doit s'arrêter!